The Africa Union of Architects, AUA, was launched in 1981 with the aim to unite architects from all over Africa, regardless of nationality, race, religion, or doctrine, and to federate their national organizations. At the beginning, the AUA was made up of delegations from 23 countries. Today, it regroups more than 40 African countries with a wide network of above 60,000 architects. The AUA is an accomplished NGO and a major stakeholder engaged in the sustainable development process of Africa. Thank you.
Qu'est-ce que vous attendez de ce congrès au final hein? Il y aura une genre de Mauritian Declaration, on va aller beaucoup de bétonner, de pas aller vers un peu plus une architecture vraiment africaine, pas trop européenne. Alors, je pense que vous avez entièrement raison de poser cette question parce que c'est tout à fait l'objectif. Et quand je parlais de la culture, du patrimoine entre autres, c'est se reconcentrer effectivement sur ces méthodes de construction traditionnelles. Dans la liste des intervenants, vous allez voir, il y a Nina Maritz, qui est en fait une architecte qui a remporté plusieurs prix au niveau international, et aussi le dernier prix de la durabilité accordé par l'UNESCO. Et elle est en train de faire mais vraiment des projets très très intéressants en matière de comment intégrer, comment compiler culture, patrimoine et construction. Tout ça, c'est l'objectif que nous avons. Pour la partie mauricienne, qu'est-ce que nous attendons? C'est que les architectes, comme disait mon confrère Gino, qu'on puisse avoir un eye-opening platform, et qu'on puisse s'inspirer et partager et œuvrer dans cette direction. Ça, c'est l'une. Et de deux, comme je le mentionnais, on a signé déjà une série d'accords. On veut signer aussi un accord en matière du patrimoine, où on va placer l'île Maurice sur cette carte d'Afrique, qu'on va parler de cartographier le patrimoine. Bien sûr, nous avons nos organisations, nos institutions au niveau national, mais on voudrait avoir le soutien systématique d'une institution encore plus solide au niveau continental. Et quand il y a besoin à faire des lobbies, je ne sais pas si j'ai raison de mentionner tout ceci, mais je peux dire que ça fait plus de poids quand il s'agit qu'une institution ou une organisation locale qui lève la voix. Alors, pour nous, on est dans cette logique-là. Si je peux aussi rajouter, ce qu'on attend aussi, c'est une prise de conscience de la part à la fois de la population et puis de la part de nos décideurs aussi, parce que l'architecture, les architectes, on tient une place très importante dans tout le développement d'une société. Je prends un exemple tout bête, je prends un pays comme la France, vous avez un ministère dédié à l'architecture, vous avez des architectes qui ne sont là que pour le patrimoine, qui vont se battre. Si l'architecte du patrimoine a dit non, on ne démolit pas tel ou tel bâtiment, il n'y a rien à faire, on ne pourra pas le démolir. Donc c'est un petit peu une prise de conscience de la population et des décideurs sur le rôle qu'ont les architectes à jouer dans la société. Je ne sais pas si ça répond un petit peu aussi à votre question. Et cette semaine, avec les activités en parallèle, c'est aussi pour, comment on dirait, raise public awareness, que les architectes existent bel et bien à Maurice et ils font pas que des petites maisons, okay, ils font autre chose, qui est effectivement cette réflexion à grande échelle. Et nous voulons contribuer à cette démarche du développement durable à Maurice et en Afrique. Le tournoi du golf, ce sera à Maurice ou bien tous les 3 ans, quand vous êtes à votre congrès, que vous allez faire votre tournoi? Bien, alors... C'est pas le principal, hein, le tournoi. C'est pas le principal. C'est intéressant, c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est du golf, ouais. C'est intéressant pour le C'est pays. Très intéressant, et alors, nous avons eu beaucoup de sollicitations, mais comme on voulait concentrer, nous voulions nous concentrer sur le congrès, et... Je ne dirais pas que le golf va être le petit frère un peu délaissé, loin de là. Okay, c'est pour ça que ça se joue juste durant le week-end, parce qu'on veut par la suite concentrer sur les autres activités. Si ça va être un événement annuel, à vrai dire, on a eu une sollicitation énorme pour que ça devienne effectivement un événement annuel. Alors j'estime que sur les prochaines années, ça va être une autre façon de placer l'île Maurice sur la carte d'Afrique et au-delà. En matière de communication, je pense que le golf est un des sports, voire loisirs, qui attire beaucoup la presse aussi. Et en matière de communication, c'est vraiment quelque chose qui marche. Alors, pour nous, on veut utiliser ça aussi comme une plateforme pour vulgariser l'architecture, le rôle de l'architecte, et pour faire passer des messages qui sont des messages constructifs dans la démarche que nous venons de vous dire, de partage et de la durabilité. Voilà. Donc, et s'il faut que ça bouge dans 2 pays d'Afrique, ben, je pense que le circonstance nous le dira. Voilà. Au
We are proud here in Mauritius to welcome the 12th Africa Union of Architects Congress to talk about the challenges of the profession, but also it is a major cultural exchange, bridging the gap between the different countries. And this Congress would be a unique opportunity to tackle those challenges and how to move forward from there.